été repris, qui est pris par l'OCDE et Statistique Canada, et ça va être beaucoup plus près de notre objet de questionnement. C'est-à-dire que la littératie, c'est beaucoup plus grand que la compréhension de lecture dans un texte, une épreuve en français. La littératie, ça nous amène à la compréhension du code écrit pour être fonctionnel dans la vie de tous les jours. Alors, on lit pour apprendre, donc, alors ça, c'est vraiment un concept. On étend nos connaissances dans la vie courante. Alors, on enchaîne à la prochaine diapo. Vous allez voir que le rythme est assez soutenu, parce qu'en 20 minutes, on essaie un peu de faire le tour de pourquoi évaluer. Alors, d'être fonctionnel, un minimum dans le code écrit, alors, l'OCDE, en fait, dans le concept de littératie, on a établi pour faire le portrait 5 niveaux. Et dans ces niveaux 1, 2, 3, 4 et 5, donc le niveau 1, on est très peu fonctionnel et on a peine à vraiment comprendre ce qui est écrit dans une phrase. Mais ce qui est important ici, c'est notre niveau 3, c'est-à-dire c'est le niveau minimum pour être fonctionnel avec le code écrit, la compréhension, autant dans les schémas textuels que numériques. Exemple, formulaire, horaire d'autobus, mode d'emploi simple, prescription. Alors, donc vraiment, c'est le minimum fonctionnel, autant dans les textes quantitatifs que numériques. Or, on va changer de diapo. Dans la vie, on apprend à lire et très rapidement, on doit lire pour apprendre et d'être fonctionnel pour ça. Et c'est très tôt dans l'histoire de l'humanité, hein, ça n'a pas longtemps qu'on a besoin d'un niveau 3 de littératie pour être fonctionnel. Alors, vous allez me dire, où c'est qu'on s'en va avec ça? On s'en va à la prochaine diapo qui est dans le fond un constat. Est-ce que dans la population, malgré une scolarisation, on a finalement l'ensemble d'une population qui est fonctionnelle en littératie? C'est la question. Or, quand on fait le portrait et qu'on va plus loin, et une clientèle adulte, hein, ça va être notre sujet, c'est notre sujet, on se rend compte que premièrement, à peu près 16% de la population en général est quand même des adultes qui sont presque illettrés et 33% ont de la misère à comprendre une phrase simple. Ça, c'est le premier constat et ça nous interpelle parce que notre clientèle, elle est adulte, elle vient en FP, en FGA. Deuxième diapo, l'autre diapo qui suit. Ce qui est encore plus inquiétant dans les constats préoccupants, c'est que malgré une diplomation et malgré un niveau de scolarisation, ça veut dire, ça paraît peut-être gros comme chiffre, là, mais 52% des adultes diplômés n'ont pas de niveau 3. C'est-à-dire qu'on se situe dans un niveau 1 ou 2. Et ça, c'est préoccupant. Et c'est sur notre clientèle en FGA et en FP. Donc, et en plus, une donnée intéressante, hein, on sait très bien que compréhension, lecture et facteur de risque de décrocher, c'est vraiment interrelié, ça, je pense, c'est un constat. Et 62 des jeunes décrocheurs se situent dans le niveau 1 et 2, il n'y a pas de surprise. Hein? Alors, malgré une scolarisation, merci Diane de me rappeler de tenir ça loin. Alors, faible niveau de compréhension en lecture, et c'est ce qui va nous amener à répondre à la question suivante, la prochaine diapo. Il me semble que c'est notre clientèle qui fréquente nos centres. Alors, nous, on arrive, c'est très préoccupant. On a des élèves qui ont un niveau d'acquisition secondaire 2, secondaire 3, sont en FBD et finalement, ils ont peu d'efficacité en compréhension de lecture. Or, on sait très bien qu'on doit lire pour apprendre. Alors, c'est une réalité qui est vraiment fondamentale. D'ailleurs, nous, dans notre centre, j'imagine que si vous avez sûrement, ce que je dis là n'est pas déconnecté à l'extérieur non plus, dans nos centres, en FGA ou en FP, on le remarque. C'est une réalité importante. Alors, et ici, je ne parle pas seulement des élèves en formation de base commune. Et je mets l'accent sur la formation de base diversifiée, où est-ce que les élèves nous arrivent en secondaire 3, ou ce que j'appelle des faux 3, parce
ont vraiment une grande difficulté à comprendre la lecture et à être autonomes dans leur cahier, dans leurs apprentissages, puisqu'on apprend à travers un code écrit. Donc, c'est excessivement préoccupant et on a peu de temps à LGA ou dans un DEP avant que s'installe la démotivation et la non-réussite et l'échec scolaire. Donc, peu de temps pour dépister, mais surtout pour intervenir, sont avec nous, on veut les garder, on veut les retenir. Alors, on va changer de diapo. Dans ça va bien? Alors, pourquoi évaluer en LGA et en FP? Moi, quand j'avais des discussions au départ, on disait, mais ça, c'est l'affaire du secteur jeune. Or, on a des apprenants. On a des apprenants qui ont des difficultés. Donc, premièrement, pourquoi évaluer? Pour comprendre. Hein? Pour comprendre et identifier les sources des difficultés de compréhension. Alors, quelles leçons, je suis revenue. Alors, le premier but, c'est de comprendre, mais comprendre pour prioriser des interventions efficaces, pragmatiques, pour aider à la réussite. C'est sûr qu'on pourrait aller, l'évaluation en lecture, c'est un grand thème, on pourrait se perdre là-dedans. Notre but, c'est de rester quand même pragmatique dans ce sens. Alors, deuxième grande question, finalement, quoi évaluer? Alors, on est rendu déjà à l'intention 2. Quoi évaluer? Est-ce que je suis revenue dans la diapo? Alors, elle avait bien passé. Quoi évaluer? On enchaîne à la suivante. La compréhension en lecture, là, c'est vraiment pour le cerveau humain, comprendre le code écrit et être fonctionnel, ça va être l'habileté la plus complexe à faire. Ça demande incroyablement d'énergie de traiter toute l'information. Puis le but, aujourd'hui, là, on rentrera pas dans les détails de c'est quoi la compréhension en lecture. Notre but, c'est pas ça. Mais c'est de comprendre quand même que c'est fort complexe, ça demande de l'énergie, que lire, c'est pas décoder, mais à travers ce décodage-là qui doit être automatisé, on doit garder notre énergie pour vraiment faire des inférences et comprendre notre intention. Alors ici, c'est fort complexe, ça demande énormément d'énergie. Alors, on se dit, OK, pour être pragmatique dans un centre LGA-FP, on ne rentrera pas dans un bilan diagnostique où ça prend 18 heures, où ça prend entre le nombre d'heures et des ressources. Notre but, c'est d'être évalué pour intervenir. Alors, on enchaîne. Alors, si dans cette même logique-là, on pense d'évaluer pour intervenir, bien, on va se baser sur, dans le fond, les 5 piliers de l'apprentissage à lecture. En fait, ce qui a été nommé il y a 15 ans est encore très d'actualité, qui a été nommé par le National Reading Panel, qui a identifié les 5 grands piliers porteurs de l'apprentissage de la lecture. Alors, conscience phonologique, principe alphabétique, hein, ça fait 15 ans qu'on en parle de plus en plus, on le voit que c'est vraiment relié à l'identification des mots. On sait qu'en LGA et en FP, la plupart de nos élèves ont acquis cette compétence. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que dans l'apprentissage de la compréhension à lecture, rentre la fluidité. Et la fluidité, c'est ce qui va être porteur pour nous de cette compréhension, parce que lire n'est pas seulement décoder, mais d'avoir automatisé l'identification des mots pour avoir une certaine vitesse qui fait appel à nos limites de mémoire, de travail, de conscience qu'on a pour traiter l'énergie. Donc, la fluidité, et c'est là qu'on voit que la plupart de nos élèves en LGA ont des difficultés. Donc, quoi choisir, pourquoi évaluer et intervenir? On est toujours là-dedans. Mais la fluidité, c'est vraiment un indicateur important parce que ça fait appel à l'automatisation de l'identification des mots et une certaine rapidité qui fait qu'on est capable de comprendre. Et c'est là qu'on voit nos élèves en difficulté. C'est sûr, le vocabulaire et la compréhension de texte. Or, si on veut être pragmatique et intervenir rapidement, le vocabulaire, on a des outils très spécialisés, c'est pas facile d'évaluer le vocabulaire, mais remarquez que ça se fait. Compréhension de texte aussi, c'est très général, et souvent c'est ça, on dit « Ah! » L'enseignant vient nous voir, on dit « cet élève-là ne comprend pas ce qu'il dit ».
Mais c'est vaste, c'est gros ça, la compréhension, la lecture. Donc, il faut aller cibler des choses qui vont nous indiquer des interventions et comprendre les sources de l'incompréhension dans un temps raisonnable. On enchaîne. En lien avec les cinq piliers et donc les interventions également favorables à l'apprentissage de la lecture, bien, il y a des indicateurs concernant l'évaluation à l'âge adulte qui sont très semblables aux jeunes. Et ça, il y a des études qui ont démontré, dont Alain Desrochers et son équipe, et ont démontré que des indicateurs qui sont propices quand on est dans le début de l'apprentissage en jeune âge, dans les aux adultes également quand on est à l'âge adulte. Or, comme on a dit, conscience phonologique et principe alphabétique, c'est vraiment relié à l'identification des mots. Et nous, on va aller avec la fluidité. La fluidité qui est finalement, c'est à travers une lecture orale, on peut comprendre en mesurant un nombre de mots lus par minute. Donc, comment ça va? Et en même temps, ça va nous donner beaucoup d'indices. Mais ce qui est important ici de voir, c'est que je parle d'évaluation. On parle d'évaluation pas en lien avec le programme. C'est l'évaluation, si on veut comprendre les difficultés, c'est vraiment en lien avec les processus de compréhension. On ne rentrera pas dans le détail en 20 minutes de passer tous ces tests, mais oui, on a vraiment des indicateurs en lien avec les interventions. Et là, on va aller davantage en profondeur avec la fluidité, parce que c'est celle-là qui nous intéresse, qui est le plus pratique au niveau des interventions. On enchaîne. La fluidité. La fluidité, en fait, ça va nous donner un portrait qualitatif et quantitatif, ça va nous donner des pistes d'intervention. En ce sens que c'est vrai que pour lire une fois, en fait même, on va porter l'accent sur la phrase, parce que la fluidité, évidemment, c'est un texte continu, donc un texte oral, un texte de niveau. Où est-ce qu'on va remarquer si l'identification des mots puis l'automatisation se fait? Et donc ça, en fait, ça va nous donner l'indication que si je n'arrive pas à une certaine rapidité pour favoriser la compréhension, bien là, j'ai une perte de sens. Alors c'est sûr que si j'ai une lecture syllabique ou mot par mot très robotisée, bien je perds le sens. Donc c'est un indicateur ici en termes d'indication. Évidemment, tout l'aspect de respect de la lecture par groupe de mots, le respect de la ponctuation, l'intonation et même la prosodie vont être des indicateurs de compréhension. Si ce n'est pas fait, ben c'est sûr que ça va être très difficile pour l'individu de comprendre le texte. Surtout, on va enchaîner. Ici, donc, on a des indications, on va avoir des indications pour finalement intervenir. Donc, dans la fluidité, ça veut dire je prends un texte simple, lecture orale, et là, je vais être capable de voir le nombre de mots correctement lus. Et dans le fond, toutes ces indications-là, de plus en détail, comme est-ce que j'ai une lecture syllabique, saccadée, par groupe de mots, donc tous les éléments que je viens de dire, puis est-ce qu'on si on a une. Est-ce que l'élève est capable d'autocorrection? Les liaisons, est-ce que c'est fait? Tout ça, ce sont des indicateurs de perte de sens ou de dire on a ce qu'il faut en place pour travailler, pour comprendre. Parce que c'est sûr, pour comprendre un texte, il faut d'abord que chaque phrase ait un élément, qu'on soit capable de comprendre la phrase. C'est sûr que c'est en lien avec l'exactitude et la vitesse. Donc là, on est dans le comment. Et notre comment de voir, c'est tout à fait simple parce que les textes de niveau, c'est accessible. On est capable de vraiment de prendre, d'écouter la personne et d'en prendre la mesure. Donc, le comment, c'est vraiment simple. C'est simple, mais c'est tellement porteur d'indications, autant au niveau, pas juste de nombre, mots, minutes, là. Ça, c'est vraiment très simpliste. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on est fonctionnel, est-ce qu'on a d'énergie cognitive pour vraiment être efficace et surtout pour pister des interventions. Parce que ça s'apprend et ça s'améliore, c'est la bonne nouvelle. Donc,
En somme, quand on est capable d'avoir un portrait, on est capable vraiment d'aller orienter des interventions. Parce que la phrase, si elle n'est pas fonctionnelle, elle ne sera pas non plus fonctionnelle en production écrite. Vous savez, en LGA, les mesures d'aide, l'introduction, l'autorisation des mesures d'aide, c'est bien beau. Alors, on voit bien que pour même nous aider à corriger un texte, ben, il faut d'abord l'avoir écrit. Et or, la phrase, c'est l'élément central. Et beaucoup d'élèves échouent malgré l'autorisation des mesures d'aide parce qu'on utilise Antidote, sauf qu'on n'a pas la base qui est la phrase. Et le logiciel n'est pas capable de traiter adéquatement. Donc, autant en lecture que c'est notre base, vraiment, ici, ça nous donne des éléments de travail. Des éléments de travail comme vraiment de la lecture répétée, où est-ce qu'on va faire un, et ça va être la partie de Gisèle, où est-ce qu'on va voir dans la seconde partie, des éléments, comment travailler de façon pragmatique en peu de semaines, de façon réaliste, en tenant compte des ressources disponibles dans les centres RGA, d'arriver à travailler également pour être plus efficace et pas aller un peu partout, parce que c'est facile de se perdre dans la compréhension. Et c'est sûr qu'après, après ou en parallèle, on va travailler les stratégies de compréhension de lecture. Mais moi ici, dans l'aspect évaluation, j'en ai pas parlé parce que ce serait fort complexe aussi. Et en 20 minutes, il y avait des choix didactiques à faire. On enchaîne pour la dernière diapo. Je suis toujours dans mes temps. Excellent. Fait que si on revient, humblement, moi dans le fond, je mets la table un peu à ce que Gisèle va rentrer plus en profondeur aussi dans le quoi. Mais est-ce pertinent de parler d'évaluation en RGA et en RP, même si en RP on a des temps prescriptifs? Je crois que oui. Je crois que oui parce qu'on doit très rapidement lire pour apprendre. Il y a des DEP, c'est vraiment hautement important, comme secrétariat comptabilité. Enfin, il y a des DEP, peut-être que c'est moins, l'impact est moins grand, mais quand même. Et en RGA, ben, c'est l'ère de la guerre, dans le sens que ça paraît une évidence. Or, c'est gros comme affaire. Donc, quoi évaluer à l'âge adulte, c'est une question, ou est-ce qu'il faut aligner nos réponses en fonction des interventions possibles, pragmatiques, en fonction des ressources également, donc en décloisonnement, en guidant les enseignants, en travaillant en équipe, en collaboration. Il y a des expériences, des expérimentations qui sont faites dans des centres à cet égard et qu'il y a du succès. Et le comment, ben, oui, il y a plusieurs éléments qu'il y aurait eu à présenter, autant en conscience phonologique, en vocabulaire et en compréhension de texte. Or, on a mis ici l'accent sur la fluidité parce que ça nous donne énormément d'indications. Une lecture orale, une minute, deux minutes, et on est capable d'orienter des interventions. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi choisi la fluidité. Donc, il ne faut pas oublier non plus que quand on intervient, je n'ai pas abordé ce sujet-là, mais pister le progrès des élèves, aussi en évaluation, c'est important, parce qu'on peut décider de faire un projet, mais est-ce que ça donne des résultats? Donc, de reprendre les mêmes mesures, notamment la fluidité, va dans ce sens. Donc, intervenir efficacement, mais surtout comprendre avant, favoriser la réussite, c'est sûr. Le quoi, bien évidemment, on va plus d'abord, il y aurait des éléments à parler davantage sur le vocabulaire et les stratégies de compréhension, ce qui va davantage être un petit peu plus élaboré par la suite. Et on a vu les communs, mais surtout les défis. Les défis, ben, c'est quand même, notamment dans les DEP, en RP, on a peu de temps, le temps est prescriptif. Donc, c'est comment organiser ça et le voir dans quelle mesure c'est opérationnel. Il y a des expérimentations dans des centres. C'est sûr qu'au niveau de l'entrée en formation de l'accueil, pour les DEP maintenant, en RGA aussi, le temps, même si on a plus de temps, on a souvent le sentiment, et les enseignants comme les élèves, de perdre du temps si on n'est pas dans les cahiers. Et ça, juste de mettre les enseignants et les élèves à être engagés dans un processus d'améliorer sa compréhension en lecture et de voir que c'est gagnant et qu'on va gagner du temps, finalement, c'est un défi. Et ça se fait, par contre. Mais c'est vraiment, et en même temps, ben, comme dans tout, les outils d'évaluation adaptés à l'âge adulte, ben, ce sera toujours un défi, ça c'est clair. Donc,
Si je crois, je ne sais pas si en 20 minutes, j'ai réussi un peu juste à éveiller, à mettre la table, parce que c'est un sujet très grand, l'évaluation comme telle, mais de voir que c'est une préoccupation qui peut être réaliste, et c'est en lien avec les pratiques pédagogiques. Donc voilà, c'est un peu le tour de la présentation. On va faire place aux interventions, le quoi, hein, quoi enseigner en lien avec ça. Est-ce que dans la salle ou à distance, vous avez des questions? Alors, Donc, deux choses l'une. pour les gens qui sont à distance, si vous désirez poser vos questions par clavardage, il me fera plaisir de les relayer à Mme Vanier. Donc, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire maintenant par clavardage. S'il y a des questions pour les gens qui sont à distance, donc, n'hésitez pas à écrire par clavardage et moi, je relaie les questions pour les gens qui sont dans l'ensemble, qui sont dans la salle physique ici à Lévis. Donc, s'il y a des questions. Alors, j'imagine que ça a été clair ou peu intéressant, mais peu importe. C'est sûr que c'est des constats qui sont de plus en plus clairs, ça fait un peu consensus, tout ça. Et le but, c'était pas rentrer dans des détails techniques d'évaluation, mais vraiment de mettre la place, de vraiment être en lien avec les interventions qui s'en viennent. Oui, une question? Merci beaucoup Nathalie, c'était très intéressant comme présentation. Je voulais juste vérifier si ma compréhension est bonne. C'est un processus que vous avez mis en place pour tous vos élèves qui arrivent en LGA et pour tous les élèves qui fréquentent en LP ou selon les besoins ou est-ce volontaire? Enfin, comment vous vous y êtes pris pour l'implanter? Bon, nous, dans notre centre, on est vraiment au balbutiement. Il y a d'autres centres, en fait, davantage vous dire ce qui se fait dans d'autres centres, c'est vraiment sur une base volontaire et par sous-groupe de besoins, notamment à FBD. C'est sûr qu'il y a des choses qui se font à FBC, vous allez nous dire, ah, le besoin est criant, mais juste vous sachiez qu'il y a des résultats très probants en FBD, où est-ce que les enseignants identifient des élèves. On a souvent identifié des élèves pour donner des mesures d'aide. Oui, c'est important les mesures d'aide, mais d'abord aussi travailler la compréhension en atelier. Donc, il y a des commissions scolaires qui ont, sur une base volontaire, où est-ce qu'on a des références, et surtout des projets aussi avec les enseignants, qu'on accompagne les enseignants, qu'on fait des capsules dans les classes avec collaboration des CP. Alors, on est vraiment au début, et notamment les trois là qu'on est au début là, de ce projet. Alors ici, j'ai deux questions des gens en visioconférence. J'aurais d'abord Monsieur Alain Dumais qui dit 62% des jeunes décrocheurs se situent au niveau 1 ou 2. Ce sont des chiffres pour le Québec en entier? Point d'interrogation. Je crois que pour le Québec notamment. Et j'aurais également Madame Raymond Gauthier qui mentionne en formation professionnelle, si on souhaite intervenir, il faut convaincre les formateurs et les directeurs. Et elle a terminé son commentaire à ce moment. C'est possible, il faut donc accepter d'y mettre le temps. Tout à fait, je suis d'accord avec votre commentaire. Et au lieu de perdre du temps, on en gagne parce qu'on fait des interventions ciblées et pragmatiques et on voit un effet. C'est la bonne nouvelle, il y a des choses à faire et on peut faire des choses pour favoriser la réussite et l'engagement. Voilà. Maintenant, vérifier si du côté de la visioconférence, il n'y a pas d'autres questions. Ah, excusez-moi, oui, excusez-moi. Madame Nathalie Arsenault, à qui revient le rôle d'évaluer? À l'enseignant ou à l'orthopédagogue? Je ne répondrai pas ici en termes de tâches organisationnelles parce que ce n'est pas le but en ce moment de répondre à ça, mais c'est intéressant ce qu'on vous a présenté. Ce n'est pas des outils ou des façons qui sont spécifiques aux orthopédagogues. C'est vraiment évaluer la fluidité, ça fait partie de l'enseignement et on est capable. Donc, ce n'est pas des tests propres aux orthopédagogues. On prend un texte signifiant un texte de niveau de l'élève et on est capable d'en tirer des conclusions. Pour nous pister nos interventions. C'est sûr que quand
quand c'est une question de rôle, mais c'est une question en lien avec aussi l'organisation des tâches dans chaque centre, qui est propre à chaque centre. Mais ce qu'on vous a parlé aujourd'hui, notamment pour la fluidité, j'ai fait exprès de ne pas prendre un outil diagnostic qui serait davantage réservé à des pratiques professionnelles. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, Mme Arsenault, est-ce que cela répondra à votre question? Vous pouvez me répondre par clavardage. Oui, merci Mme Arsenault. Parfait, merci. Alors, les minutes sont précieuses, donc je passe la parole à Gisèle. Pour les gens qui sont en visioconférence, je vous suggère de mettre à 75% situé en bas à droite de votre écran pour voir l'ensemble de la diapositive de la présentation de Mme Gisèle Boisvert. Donc, ajustez s'il vous plaît à 75% pour avoir l'ensemble de la diapositive de Mme Boisvert. Merci. Bonjour. Vous avez les textes sur lesquels on va travailler? Il y a trois textes. Alors, juste avant de commencer, je veux dire, il y a un texte qui texte 5, qui s'appelle Abracadabra vêtements. C'est un texte qui est tiré du matériel Réal de Montréal, qui est fait pour, disons, le pré-secondaire. Ensuite, un texte en mathématiques, qui est une situation qui a été prise sur Alexandrie, une vraie situation pour les mathématiques, je crois que c'est secondaire 2. J'avoue que je l'ai un peu modifié parce que je trouvais que les phrases n'étaient pas assez claires, mais la situation est telle qu'elle. Ensuite, on a un troisième texte qui est un vrai texte qui est tiré d'un programme d'enseignement de véhicules lourds. Okay? Et ce texte-là, il est tel quel. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous amener à voir qu'est-ce qu'on doit enseigner pour faire apprendre. Parce que on dit qu'il faut que les élèves s'améliorent en lecture, mais en réalité, les gens disent qu'on n'a pas le temps d'enseigner la lecture. Mais mon idée, c'est qu'on enseigne la lecture. Tout le monde enseigne la lecture, même les profs de mathématiques, même les profs de véhicules motorisés. C'est-à-dire qu'on enseigne des éléments qui servent à mieux comprendre la lecture. Mais on ne sait pas qu'on enseigne la lecture à ce moment-là. Il y aurait à ce moment-là quelques ajustements à faire pour que ça soit plus efficace et pour vraiment aider les élèves. Donc, on commence. Alors, je vais commencer par vous parler d'un modèle, le modèle d'apprentissage qui est à la base de ce que je vais vous dire par la suite. On va passer tout de suite à l'autre diapositive, voilà. Donc, ce modèle nous dit que dans un premier temps, pour apprendre, il faut porter son attention consciente sur l'élément en dehors du contexte. Alors, c'est un peu différent de ce qu'on fait généralement parce qu'on nous dit depuis des dizaines d'années qu'il faut en prendre dans un contexte pour que ça soit plus signifiant pour les élèves. Mais selon ce modèle-là, c'est préférable de ressortir un élément sur lequel on veut que les élèves portent leur attention consciente pour la raison que dans une situation complexe, il y a trop de choses et ça se peut que l'élève ne saisisse pas vraiment l'élément qui est à apprendre. Un deuxième temps, c'est que suite à la compréhension de l'élément en question, il faut qu'il soit remis dans le contexte pour faire l'objet d'une pratique. C'est un élément qui est très important parce que des fois, quand on présentait notre matériel, par exemple, Réal de Montréal, qui est basé sur cette approche-là, les gens nous disaient, oui, ça c'est comme dans le bon vieux temps parce qu'on disait qu'on enseignait les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. Mais je disais, pas vraiment. On ne veut pas revenir à l'ancien temps. C'est juste que, parce que l'idée, c'est qu'il faut apprendre dans le contexte, mais il faut remettre dans le contexte pour vraiment l'apprendre. Parce qu'apprendre, c'est comme deux fois. Et pourquoi ça? C'est que les processus de base, ceux qu'on enseigne de façon explicite et hors contexte, il faut qu'ils soient appris, non seulement compris, mais
tellement appris qu'ils sont rendus automatiques. Et c'est un peu ce que Nathalie disait, quand le processus est automatique, il ne demande plus d'attention consciente. Donc, l'attention du lecteur, puisque c'est ça qui nous concerne, l'attention du lecteur peut se porter sur la compréhension du sens du texte, parce qu'il n'a pas à se demander qu'est-ce qui est écrit là, que c'est quoi le mot. Et jusqu'à temps qu'on arrive là, ben, il faut arriver avec beaucoup de pratique à... Il faut les décoder, les mots, mais pour ne plus avoir à les décoder. Et le troisième temps, donc, une situation d'apprentissage doit prévoir une partie hors contexte et une partie vraiment en contexte. Alors, est-ce que ce modèle s'est matérialisé dans la prochaine diapo, dans une formule actuellement? Ben, l'enseignement explicite, je pense que tout le monde a entendu parler de ça aujourd'hui, c'est basé sur ce modèle d'apprentissage. Oh, c'est tout défait. On va passer à l'autre diapositive. Donc, compréhension dans un premier temps d'un élément hors contexte, ensuite pratique en contexte. On passe à l'autre. Ah, mais qu'est-ce qu'on enseigne dans un premier temps? Donc ici, j'ai amené le mot analyse didactique. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour dire que dans le fond, si on étudie qu'est-ce qu'il y a à enseigner, c'est ça qu'on fait, une analyse didactique. On passe à notre diapositive. Alors là, je reviens aux cinq piliers du National Reading Panel. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec cette méta-analyse qui a été conduite aux États-Unis, qui est sortie en 2000, donc il y a 15 ans. Eh bien, avec cette méta-analyse, on a fait ressortir cinq éléments qu'il faut travailler pour que les gens apprennent à lire. Et comme on a dit aussi tout à l'heure, les deux premiers, la conscience phonémique et les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes, sont des processus qu'on appelle pour identifier les mots. C'est ça que les élèves débutants font, il faut qu'ils identifient chacun des mots. Nos élèves à l'éducation des adultes, à part ceux qui sont en alphabétisation, d'une manière générale, ils ont acquis ces habiletés-là de base. Sauf qu'ils n'ont peut-être pas acquis au point où c'est automatisé. Alors, quand on fait l'évaluation de la fluidité, un, la lenteur, si la personne n'arrive pas à lire un certain nombre de mots dans une minute correctement, ça nous indique que ces processus de base ne sont pas automatisés. Si quelqu'un lit de façon saccadée, ça aussi, ça nous dit que ce n'est pas automatisé. Parce que quand c'est automatisé, le mot, on le reconnaît, ben, on va le voir ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est les deux premiers points. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais à la prochaine diapositive, je vais revenir sur un aspect de cette identification des mots. Alors, on dit qu'un mot est identifié lorsque son orthographe, sa prononciation, ça c'est la phonologie, et son sens sont solidement interreliés. Donc, pour que le mot soit identifié, ça prend comment il est écrit, comment il se prononce et son sens. Donc, ça nous amène, dès le départ, à dire que si la personne a un vocabulaire limité, ça va également limiter son identification des mots. Alors, quand on commence à enseigner la lecture à des débutants lecteurs, bien évidemment, on va prendre un vocabulaire très simple et vraiment de base, mais dès qu'il commence à savoir lire un peu, c'est par la lecture qu'il va développer son vocabulaire. Sauf que, bien, ça ne se produit pas si la personne n'a pas développé des bonnes habiletés de base, parce qu'il ne va pas aller lire, donc il ne va pas développer son vocabulaire, etc. Donc, ça nous amène à l'importance du vocabulaire. Mais ça tombe bien, le National Reading Panel, prochaine diapositive, en fait un des piliers, excusez, de l'apprentissage de la lecture, la maîtrise du vocabulaire. Donc, le vocabulaire, c'est tous les mots dont on connaît la signification dans une langue donnée.
Évidemment, quand on a des allophones qui apprennent à lire dans une langue qui n'est pas leur première langue, cette question, elle est cruciale. Quand le rapport du National Reading Panel est sorti, on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur les processus de base parce que ce n'était pas acquis l'importance que ça a d'apprendre ces choses-là. Surtout qu'on a des approches depuis beaucoup d'années où on a beaucoup été dans le global et tout ça. Donc, on a travaillé cette question des correspondances latin-phonèmes. Mais, donc, l'importance d'enseigner le vocabulaire est passée un peu sous silence. Et maintenant, c'est vraiment le temps de revenir à ça parce que c'est en soi un pilier de cet apprentissage. Donc, oui? Alors, nous aurions une question de la salle de visioconférence de M. Marc Bellin. Quelle est la différence entre conscience phonémique et phonologique? Je ne vais pas revenir sur ces choses. Alors, quand tu dis conscience phonémique, c'est le phonème. Parce que ce qui est difficile à travailler, quand on apprend à lire, c'est le phonème qui est la plus petite unité à l'oral. Alors que phonologique, c'est l'ensemble. On peut avoir la conscience de la syllabe, tout ce qui est à l'oral, toute la perception des syllabes et tout ça fait partie de la grande catégorie conscience phonologique. Phonémique, c'est strictement le phonème. Par exemple, dans le mot bateau, on entend bateau, deux syllabes. Et ça, c'est facile parce qu'on les perçoit. Tandis que le b, on ne le perçoit pas parce qu'on n'entend pas b, a, on entend ba, ils sont fusionnés, les phonèmes. Donc, c'est la difficulté pour l'apprentissage de la lecture parce que les lettres ou les graphèmes représentent des phonèmes. C'est le lien qui se fait à ce niveau-là. Donc, si la personne n'a pas la conscience du phonème, elle ne pourra pas apprendre à lire parce que le passage entre l'oral et l'écrit se fait là. Peut-être une longue explication pour... Est-ce que cela répond à votre question, M. Bellin? Donc, seulement par clavardage, m'indiquer si cela répond à votre question, par un oui ou par un non, ou par une demande de clarification si nécessaire. Donc, oui, M. Dumais, donc c'est M. Dumais en fait qui avait posé la question. Donc, M. Dumais confirme que oui, cela répond à la question. Merci. OK. Donc, on revient à notre vocabulaire. J'ai dit, il y a trois sortes de vocabulaire dont on va traiter. Le vocabulaire courant, qui est ce qu'on connaît de la langue à l'oral, mais aussi à l'écrit. Et le vocabulaire spécialisé d'une discipline. Et j'ai mis une troisième catégorie qui est le vocabulaire, qui est le métalangage, qui en réalité est le vocabulaire spécialisé du français. Puis ça, on l'a souvent perdu de vue. Alors, parce que mon propos, c'est de vous dire, quand vous enseignez, quand on enseigne quelque chose, on enseigne du vocabulaire. Quand on enseigne le français, on enseigne le métalangage. Et c'est extrêmement important, cet élément, parce que c'est le langage pour parler du langage. On passe à l'autre. Alors, comment on va enseigner le vocabulaire? Je reviens au modèle. On sort l'élément de son contexte. Alors, on va dire, qu'est-ce que ça signifie, ce mot-là? On pose carrément la question, parce que souvent, dans un texte, il y a des mots qu'on comprend plus ou moins, puis tout ça, et puis, si on en reste à ça, on n'aura pas l'augmentation du vocabulaire qui est nécessaire pour augmenter la compréhension en lecture. On donne une définition du mot. Alors, il faut donner clairement la définition du mot pour que ça soit, parce que je disais, il faut que l'élève puisse porter son attention consciente sur l'élément qu'on veut qu'il apprenne. Et puis, ici, pour marquer que pour certains élèves, souvent des élèves en difficulté, c'est à ce moment-là que c'est bon de donner une image. Vous allez me dire, une image pour un mot abstrait, c'est pas évident, mais des fois, ça vaut la peine de forger une image pour que ça s'inscrive plus facilement dans la mémoire.
Parce que on ne s'en rend pas compte, mais nous, on a des images, des mots qu'on connaît. Et puis, des fois, c'est la difficulté pour les élèves de pouvoir se faire des images mentales. Ensuite, c'est bon de faire une discussion. Qu'est-ce qu'on sait sur ce mot? C'est un peu comme la RA fait ça beaucoup. On va amener les élèves à donner une définition. Qu'est-ce que vous savez sur ce mot-là? Et peut-être que dans un groupe, il y en a un qui le sait. Et ça, c'est très bénéfique parce que la démonstration que quelqu'un connaît le mot, comprend le mot, c'est qu'il soit capable de l'utiliser dans son propre langage. Donc, l'aboutissement de l'enseignement du vocabulaire, c'est que chaque élève est capable de faire une phrase qui inclut le mot qu'on a enseigné. Vous allez me dire, on n'a pas toujours le temps de faire ça. C'est vrai. Alors, si on a plusieurs élèves dans la classe, ça peut être long, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on le demande à chaque élève, mais à la longue, on sait que si l'élève, on a l'impression qu'il comprend, on a l'impression qu'il comprend, mais au bout du compte, il ne l'a pas compris, mais c'est peut-être parce qu'il faut aller insister pour que celui-là fasse des phrases avec le mot, les mots qu'on enseigne. Alors, on va y aller avec le vocabulaire courant. Là, j'ai pris, j'ai dit abracadabra, un vêtement, c'est un texte qui est très simple. Mais malgré tout, c'est ça que je vais dire, c'est que le vocabulaire, on a un vocabulaire oral et il y a un vocabulaire écrit. Et l'écrit est la meilleure façon de développer le vocabulaire parce que même un texte simple contient du vocabulaire beaucoup plus étendu que ce qu'on utilise dans les conversations. Et ça a été mesuré même dans les conversations de gens instruit. Alors, évidemment, nos élèves ne sont pas des gens instruits par définition. Donc, le bénéfice des textes lus est d'autant plus important. Alors, dans ce texte, donc très simple, à l'autre diapositive, j'ai fait ressortir simplement quelques mots qui peuvent poser problème à des élèves. Alors, revue de mode, ça nous semble évident, mais ça se peut que l'élève ne sache pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon. mais je voudrais aussi le mot modèle. Alors, le mot modèle, on peut demander, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Alors, les élèves ont une définition de modèle. Ils ont peut-être déjà entendu ce mot-là. Ça peut être un mannequin qui est le modèle ou ça peut être un modèle qu'on construit et tout ça. Alors, à partir de toutes ces connaissances-là, on peut construire le sens du mot modèle ici. Alors, on dit que la couturière fait un modèle. Alors, on fait remarquer que ce n'est pas un modèle comme un architecte, ce n'est pas un modèle une personne. C'est un dessin qui représente un dessin qui va permettre de faire la robe ou le pantalon. Donc, à partir de notre définition, on peut à ce moment-là demander à des élèves s'ils veulent faire une phrase avec le mot modèle. Alors, ça, c'est la démarche pour apprendre les mots du vocabulaire courant. Un autre mot en bas, plus bas, c'est crêpe. Alors, ce mot-là, il est intéressant parce que si on demande aux élèves, savez-vous ce que c'est qu'un crêpe? Ils vont tous nous dire une crêpe. Alors, en plus de dire qu'ici, on parle d'autre chose, on peut faire remarquer que le genre du mot est différent. Et que si on dit un crêpe ou une crêpe, ça a une différence. Alors là, on n'enseigne pas le genre à ce moment-là, mais on porte l'attention sur la langue. Est aussi bénéfique parce que on n'a jamais trop à revenir sur ces éléments-là. Alors, encore là, on fait la même chose, on fait une définition, parce que là, ça se peut que personne ne sache qu'est-ce que c'est qu'un crêpe, mais on peut leur dire que c'est une sorte de tissu. Et ensuite, on peut demander encore de faire des phrases avec le mot en question.
Maintenant, ici dans la phrase suivante, on a dans la situation mathématique. Alors ici, on a un problème. Je vous dis, j'ai un peu modifié le texte parce que des fois, les gens qui, souvent ou toujours, pour les gens qui font des situations mathématiques, c'est des mathématiciens, des profs de maths, et puis c'est pas nécessairement des linguistes. Bon. Alors, donc, des fois, ça, j'ai fait remarquer ça à ma collègue qui était en mathématiques, des fois, pour la compréhension d'un texte, on est mieux de mettre plus de mots. Parce que des fois, en mathématiques, ils veulent mettre moins de mots pour que les élèves ne soient pas comme encombrés avec les mots pour qu'ils arrivent directement au but du sujet. Mais des fois, plus de mots permet une meilleure compréhension. Alors, juste un exemple, je dis, Jean aime faire du vélo, il a décidé de s'équiper. Et moi, je me souviens que j'avais rajouté cette phrase-là. Parce qu'on arrive de but en blanc avec quelqu'un qui est dans un magasin et qui doit acheter des choses. Alors, je me suis dit, mettre un peu plus de contexte aide à se situer. Deuxième chose, c'est que, évidemment, pour comprendre un texte, il faut comprendre le sujet, la situation. Alors, pour cette raison, et avec raison, on prend des situations quotidiennes. C'est très bien, parce que comme ça, on n'a pas l'obstacle du domaine qui serait inconnu. Bon, alors, mais il peut se trouver que des élèves qui ont à lire ce texte-là pour leur cours de mathématiques ne soient pas familiers avec le vélo, l'équipement de vélo et tout ça. Donc, on peut en parler un peu pour aider à comprendre la situation. Maintenant, si on passe à la diapo suivante, j'ai fait ressortir quelques mots qui sont dans le vocabulaire courant et qui pourraient être problématiques pour les élèves. Et j'aimerais vous faire remarquer le mot article à la troisième ligne. On va le voir en jaune bientôt. Troisième ligne. Ici. Ah, OK. Bon. Alors, ce mot-là, il pourrait passer inaperçu parce que, bon, trois articles, on va acheter trois articles et tout ça. Alors, deux articles, au moins deux articles. C'est comme un mot sur lequel on ne va pas porter attention. Mais ça vaut la peine, des fois, de s'arrêter sur ces mots-là, surtout que article, on le sait, peut intervenir, par exemple, en français, avec un autre sens. Alors, Et comme c'est un mot qui revient souvent, ça vaut la peine de s'arrêter et de dire, c'est quoi ça, un article ici? En fin de compte, c'est juste un élément, c'est juste un objet, mais on l'a mis dans une catégorie avec un nom, article, pour... Alors, juste parler de ça, ça nous amène à discuter de la phrase aussi. Alors là, ce que je suis en train de faire avec vous, quand je vous montre ça, c'est que c'est un peu de la pratique guidée qu'on va parler tout à l'heure. Bon. Donc, voici, vocabulaire courant, ça se termine ici. Maintenant, prochaine diapositive, on a du vocabulaire spécialisé. Chaque discipline a son vocabulaire, évidemment, et parce que tous les concepts qu'on veut enseigner dans une discipline portent un nom et c'est des mots de vocabulaire. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on enseigne, que ce soit des mathématiques, de l'histoire, des sciences, peu importe ce qu'on enseigne, on est en train d'élargir le vocabulaire des élèves qui va faire en sorte qu'ils vont mieux comprendre les textes qu'ils vont avoir à lire après. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on enseigne la lecture, tout le monde enseigne la lecture. Sauf qu'il faut l'enseigner de façon... plus explicite si on veut être efficace dans ce domaine-là. Par exemple, un élève qui a suivi un cours de sciences, il va comprendre un texte qu'il va peut-être avoir à lire en français, il va le comprendre différemment s'il a vu ces concepts-là dans son cours de sciences. Alors, tout le monde travaille pour le même but. Et puis, c'est pour ça qu'on appelle ça littératie. On a parlé de ça au début. Maintenant, on parle de littératie. Pour dire que
l'écrit, il est présent partout. Il est présent dans la vie quotidienne, mais il est à plus forte raison présent dans tous les cours et à l'école, partout. Et aussi, un autre élément, c'est qu'il y a des mots qui sont dans le vocabulaire courant, mais qui prennent un sens différent quand ils sont dans la discipline. Alors, j'ai donné des exemples ici, de plus que, au moins, etc. Puis ça, c'est un problème que les profs de maths, je ne sais pas s'il y en a qui enseignent ou qui ont enseigné les maths ici, je connais une, et souvent, l'élève va voir moins égale soustraction, plus égale addition. Mais ce n'est pas toujours le cas, on va le voir dans le texte suivant. Ah, ben là, j'ai l'autre sujet. Alors là, conduite sur les chantiers. On va revenir aux mathématiques après. Donc, c'est en formation professionnelle et c'est un texte, si on passe à l'autre diapositive. Alors, on parle des engins de chantier. Alors, moi-même, quand j'ai lu ce texte, il y avait des mots qui m'étaient passablement étrangers. Bon, je me dis, les élèves qui participent à ce cours-là doivent en connaître plus que moi déjà. Mais forcément que ça fait partie de l'enseignement de ça, d'enseigner différents concepts spécialisés. Mais là, il y a un mot qui m'intéressait dans la première ligne, c'est le mot « chenille ». Alors, évidemment, la plupart des élèves vont savoir ce que c'est qu'une chenille, mais on voit ici que c'est utilisé dans un sens vraiment différent. Alors, encore là, ça vaut la peine de s'arrêter, de réfléchir à ce qu'on connaît déjà sur le mot « chenille » et de préciser qu'est-ce qu'on entend par ça. Et ça, en formation professionnelle, ce qui était très simple, enfin, selon moi, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter pour faire un cours de lecture, parce qu'ils n'en sont pas des professeurs de lecture. Mais dans le cadre d'un cours de formation professionnelle, enseigner, si on leur dit oui, quand vous enseignez ces concepts, vous enseignez, vous favorisez la compréhension en lecture. Bon, en vert, les mots qui sont en vert sont des mots du langage courant qui sont utilisés comme support, comme texte, mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Un exemple, c'est proximité. Compromettre. Alors là, on se dit, c'est des mots qui sont quand même pas si courants. Alors, là, je questionne l'écriture de ces textes-là. Un peu comme je vous disais pour le cours de mathématiques, quand on fait un texte, quand on écrit un texte et on le lit dans une autre discipline, oui. On me signale seulement de se tenir un peu plus loin, le micro un petit peu plus loin. Ok, le micro plus loin, quand je touche encore plus. Donc, ces mots-là comme compromettre. Compromettre, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui écrivait ce texte-là, je dirais, peut-être on pourrait prendre un autre mot, comme le mot empêcher ou le mot. Bon. Maintenant, si on a ce texte-là qu'on ne peut pas le changer, ben, il faut s'arrêter puis en discuter avec les élèves. Justement leur dire que ça veut dire comme empêcher, mettons. Donner un synonyme. Bon, on revient à notre situation de mathématiques. Donc, alors ici, et ça c'est important dans la consigne. Vous voyez ici, c'est marqué « au moins deux autres articles ». Alors, ce que je vous disais, l'espèce de tic qu'on a, « au moins soustraction ». Mais on voit ici que c'est absolument pas pertinent parce que ce genre doit acheter « au moins deux autres articles ». Donc, il n'y a aucune soustraction à faire là-dedans. Au contraire, c'est un ajout. Alors,
les professeurs de mathématiques doivent être aux prises avec ces problèmes, ces questions-là, où le langage courant a un sens différent, mais deux, des fois, dans le langage courant, c'est même pas bien compris non plus. Alors, c'est pas pour décourager personne, mais il faut porter une attention là-dessus. Parce que après ça, on va dire, ben, ils comprennent pas les mathématiques. Ils sont pas capables de faire ce problème-là, mettons. Mais peut-être que c'est pas un problème de mathématiques ou pas spécifiquement mathématiques. C'est un problème du passage de la langue courante à la langue en mathématiques. Mais c'est aussi un problème de vocabulaire. Donc, si on traite ce problème-là, si les professeurs de mathématiques traitent ce problème-là, ben, ils se trouvent à faciliter la compréhension en lecture. Maintenant, on va passer à la troisième catégorie de vocabulaire. J'ai pris la peine d'en faire une catégorie à part. Excusez-moi. Donc, le métalangage, le métalangage, c'est la grammaire, c'est le langage qu'on utilise pour parler de la langue. Donc, apprendre à lire, pour comprendre un texte, c'est... Il y a deux éléments qu'il faut comprendre. Pour comprendre le texte, j'ai besoin de deux sortes de connaissances. Des connaissances sur le sujet du texte. Quand on lit le texte sur les engins motorisés, on risque de ne pas comprendre parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas. Mais aussi des connaissances sur la langue. Et ces connaissances sur la langue appliquées à la lecture sont souvent négligées. Alors, le métalangage, c'est certain qu'il est enseigné dans un cours de français, mais est-ce qu'il est enseigné jusqu'à le rendre utile pour la lecture? Pas toujours, et même peut-être pas souvent. Alors, j'ai mis quelques exemples. Les mots de relation, de temps, de lieu, on va voir un exemple spécifiquement de ça. Ensuite, les constitutions de la phrase. Ah oui, quand on a introduit la grammaire qu'on a dite nouvelle ou actuelle, la caractéristique principale de cette grammaire-là, c'est que ça veut amener une réflexion sur la langue. Donc, c'est extrêmement bénéfique pour la lecture, pour la compréhension de la lecture, parce qu'on développe toutes ces connaissances sur la langue, en réfléchissant sur la langue. Des fois, on accroche trop sur les nouveaux mots qui sont arrivés avec cette nouvelle grammaire, mais l'élément essentiel, c'est de faire une conversation sur la langue avec les élèves, comme enseignement de la grammaire. Donc, les constituants de la phrase, c'est dans la nouvelle grammaire, c'est les deux constituants essentiels, sont le sujet et le prédicat, c'est-à-dire de quoi ça parle et qu'est-ce qu'on en dit. Mais vous voyez, quand on dit de quoi parle cette phrase, on est pas mal dans la compréhension en lecture. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en dit? Bien, aussi, on est dans la compréhension. Alors, on parle d'un vélo, puis qu'est-ce qu'on en dit? C'est qu'il est multicolore, n'importe. Alors, cette façon de voir la grammaire qui se dirige vers la compréhension du texte, elle est beaucoup plus importante dans la nouvelle grammaire que le fait d'appeler des compléments de telle ou telle façon. Maintenant, les mots de reprise. Ça, c'est ce qu'on a appelé, on parle de grammaire du texte, c'est encore dans cette nouvelle grammaire. C'est par exemple, quand tous les pronoms sont des mots de reprise. Donc, dans les textes, même les plus simples, on a des pronoms qui reprennent le personnage, souvent. Mais parfois, des fois, des objets. Mais aussi, il y a des fois des expressions qui reprennent. Par exemple, on a les Pierre, Paul et Jean. Ben, ces personnes ou ces gens. Et puis, même les temps de verbe nous donnent beaucoup d'informations sur la compréhension. On passe à l'exemple suivant. Alors, quand je vous dis qu'il faut enseigner, alors, si on décide qu'on enseigne les mots de relation qui portent sur le temps, ici j'ai choisi cet élément-là. Ça veut dire qu'on ne fait pas tout en même temps, mais on va dire ça, c'est mon texte le plus simple.
Alors, on va aller voir, on peut même demander aux élèves d'aller retrouver tous les mots qui se rapportent au temps. Alors, la prochaine diapositive, je les ai fait ressortir. Oui, alors, j'ai fait ressortir d'abord, ensuite, puis, alors, ensuite, plus bas après, et puis finalement. Alors, c'est un exercice qui amène cette connaissance des mots de relation dans le texte. Après qu'on a identifié ces mots-là, et encore là, si on le fait en groupe, il y en a qui vont avoir trouvé certains, il y en a qui ne les auront pas trouvés, il y en a qui vont en avoir trouvé qui ne sont pas pertinents pour le temps. Et puis, il y a des mots comme « alors », mais qui ne sont pas toujours en rapport avec le temps. Ici, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, on peut continuer la conversation sur ce sujet-là en se demandant, ben oui, c'est des mots de relation. Si c'est des mots de relation, ça met quoi en relation? Ça doit mettre deux éléments en relation. Et là, on revient au texte, puis on se dit, ben, ensuite, elle colore ensuite les modèles. Alors, ça met en relation l'action de colorer avec l'action qu'elle a faite auparavant, qui était de faire le modèle. Alors, mais quand on fait cette conversation-là, on est en train de revenir sur le texte et de le comprendre. Ensuite, deux autres points. Alors, la ponctuation. Alors, la ponctuation, c'est un élément qui est vraiment important dans la lecture, même dans la compréhension de la lecture. Et c'est aussi un élément qui est extrêmement important, qu'on enseigne. On enseigne cet élément-là. Mais justement, quand on l'enseigne, on va apprendre, par exemple, que la virgule a deux usages. Au début, on commence avec deux. L'énumération ou séparer un complément du reste, un complément qui est placé au début de la phrase, du reste de la phrase. Bon, on apprend ça, mais si on ne l'a pas mis en pratique dans une lecture, on ne l'a pas appris assez. Alors, si les élèves ne sont pas capables de l'utiliser dans une lecture, ben, on a perdu un important bénéfice de cette notion-là. Et, roule, on est rendu au secondaire, et puis, la ponctuation, le point de la virgule, c'est passé, et puis, on n'enseigne plus ça. Et c'est le problème qu'on a quand on veut enseigner la lecture à nos élèves. Ils sont rendus en secondaire 3, ils sont rendus en FBD, et puis, il y a plein d'éléments qui ne sont plus à leur programme parce qu'ils sont rendus là. Alors, c'est ce qui plaide, c'est un peu ce que Nathalie disait tout à l'heure, on n'évalue pas en fonction des programmes, parce que les élèves ont été évalués, ils sont rendus à ce niveau-là, mais il faut faire une évaluation en fonction de la progression de la compréhension en lecture. Et ce qui fait que si on se rend compte que les élèves ne lisent pas, par exemple, par groupe de mots, hein, ils lisent mot à mot, ou bien ils regroupent les mots, mais de façon inappropriée. À ce moment-là, ben, c'est ça qu'il faut enseigner, même si ça correspond à des apprentissages qui ont été faits, qui auraient dû être faits à un autre moment donné. Bon, alors maintenant, ça nous amène à l'idée qu'il faudrait avoir une progression spécifique pour la lecture. Et ça, c'est un beau projet pour l'avenir. OK, donc métalangage, vous voyez que quand j'ai parlé de métalangage, j'ai parlé de l'enseignement en français, l'enseignement de la grammaire. Parce que mon idée, c'est que quand on enseigne toujours la lecture ou on favorise toujours une meilleure compréhension de la lecture. Mais encore faut-il enseigner. Ce n'est pas le cahier qui peut faire ça. Alors, parce que toute la question de l'interaction et de la mise en commun des connaissances qui sont déjà présentes chez les élèves est extrêmement importante pour amener une progression dans les connaissances. Alors, c'est ça, quand je posais la question, qu'est-ce qu'on doit enseigner? C'est
c'est ces choses-là, c'est les questions, en fin de compte, de, là, je suis en français. Maintenant, je vous ai dit que dans l'apprentissage, dans le modèle, on avait d'abord apprendre des éléments et ensuite les mettre en pratique. Et les mettre en pratique, c'est la prochaine partie. Là, je vais vous parler en particulier de la pratique guidée. Alors, ça fait partie de l'enseignement explicite. C'est, on enseigne des choses et ensuite on les met en pratique. On les met en pratique dans une vraie lecture. Alors, ici, j'ai dit la lecture, c'est enseigner la lecture, c'est enseigner les éléments et ensuite guider les élèves dans la pratique en utilisant les nouvelles connaissances pour résoudre un problème de compréhension. Je suis trop proche, trop loin. Ça va? Donc, résoudre un problème de compréhension face à un texte. Et là, j'arrive à un nouvel aspect de nos cinq piliers. On a vu l'identification des mots qui étaient deux des piliers. Ensuite, on a vu le vocabulaire. Maintenant, on arrive à la fluidité. Et puis tout à l'heure, Nathalie a dit on va évaluer la fluidité. Parce que c'est au cœur de l'affaire et c'est la poignée dont on va se servir pour aller jeter un regard sur différents aspects. Et en plus de ça, pour nos élèves, c'est ce qui est le plus indicateur de différents aspects de leur compétence en lecture. Mais la fluidité, en fait, on peut dire que ça s'enseigne dans la pratique guidée, mais ça ne s'enseigne pas de la même façon qu'on enseigne les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure sont des éléments de connaissance et qu'on enseigne de façon explicite en disant « mais voici, c'est ça que ça veut dire ce mot, c'est ça que ça veut dire cette règle, c'est comme ça que ça fonctionne. » Ici, on enseigne à travers une pratique guidée. Parce que la fluidité se développe par la pratique. Et puis, la fluidité, on peut l'appliquer, le terme de fluidité, on peut l'appliquer à plusieurs sujets. Parce que c'est partie du modèle d'apprentissage où on dit que les processus de base dans n'importe quelle activité doivent être automatisés pour qu'on passe au processus supérieur de compréhension. Donc, la connaissance des lettres de l'alphabet, je l'ai mis parce que, évidemment, tout le monde connaît ces lettres. Mais si quelqu'un doit réfléchir pour savoir que ça, c'est un J ou non, et non un G, ben, il n'est pas encore automatisé. Parce que vous autres, vous allez avoir aucune hésitation, hein? C'est comme tellement ancré qu'on ne se trompe pas. Mais si c'est le nom, là, si c'est une personne allophone qui se trompe de nom, c'est autre chose. Mais ça doit aussi être automatisé. Ensuite, bon, les processus d'identification des mots, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, conscience morphologique et syntaxique, ce que ça veut dire, c'est que les éléments de la langue dont j'ai parlé, ils doivent être aussi automatisés. Par exemple, quand vous voyez ENT, vous savez que c'est un verbe. Vous n'avez même pas à réfléchir à ça, c'est automatique. Et ça, ça aide à comprendre. Et puis, vous n'allez pas vous tromper si vous voyez énormément. Et puis, ils aiment énormément, on sait tout de suite, c'est automatique, on sait que aime, c'est un verbe, et puis que énormément, ben, puis en plus, ça se prononce. Alors, ça, c'est un élément, quand on fait lire les élèves à haute voix, des fois, si on voit que le verbe, les NT, les verbes sont prononcés, c'est un indice que cet aspect-là n'est pas automatisé. Alors, les caractéristiques de la fluidité, il y en a qui se rapportent à l'identification des mots comme rapidité, précision, parce que c'est important de dire exactement le mot. Et puis, avec certaines approches plus globales, des fois, qui étaient trop axées sur la compréhension de l'ensemble, des fois, on disait, ben, c'est pas vraiment le mot, mais il a compris l'idée. Ça, c'est pas... c'est pas favorable à l'apprentissage. Donc, il faut avoir une précision. Ensuite, l'automaticité, j'en ai parlé. Et puis, ça, c'est les processus de base, OK? Ça, c'est
la fluidité qui s'occupe de ça. Mais ensuite, quand on parle de l'intonation et la prosodie, là, on s'en
statistiques pour automatiser le processus, l'identification des mots, etc. Alors, on peut les mettre deux par deux. Il y en a un qui lit, l'autre qui écoute, peut poser des questions, etc. Donc, ça, c'est une pratique. Pour faire cette pratique, il faut avoir des textes. Il faut avoir des textes de niveau des élèves. Il faut que le texte qu'ils ont à lire en pratique soient capables de lire sans difficulté. Pour les débutants, c'est pour ça qu'on avait construit beaucoup de textes qu'on appelle décodables, parce qu'ils apprenaient les correspondances graphèmes phonèmes, et les textes ne contenaient que ce qu'ils avaient appris au moment où ils lisaient le texte. Par la suite, il faut quand même avoir des textes simples pour aider les élèves, et on n'en a pas toujours. Ça aussi, c'est un beau défi, un beau projet qu'on pourrait avoir de construire des textes qui permettrait aux élèves d'intégrer les notions de la phrase. Parce que c'est comme si on a, maintenant, il y a deux méthodes pour alphabétiser les gens. Il y a Réal de Montréal, il y a aussi PILA, qui a été faite en Ontario. Et donc, on en a deux. Et il y a beaucoup de textes dans ces deux méthodes-là. Mais ensuite, on passe au texte complet avec des stratégies de lecture de haut niveau. Alors, pour moi, il y a un manque là, entre les deux, et il faudrait construire des textes qui permettraient aux élèves de construire la notion de phrase de façon même automatisée. Le deuxième type de pratique, le deuxième type de pratique qui est aussi très important, c'est la pratique guidée. Et c'est ça que je fais avec vous depuis tout à l'heure, quand je vous dis, bon, on prend un texte, on projette le texte, tous les élèves, ou bien ils ont avec eux, mais ça va mieux quand c'est projeté aussi. Alors, tout le monde a le texte, et on met en pratique l'élément qui a été enseigné. Alors, ça aussi, ça demande un aspect important. Alors, si on est en mathématiques, l'élément enseigné dit mathématiques. Alors, le problème... On ne fait pas ça tout le temps, mais ça serait vraiment bénéfique de faire lire des problèmes tout le monde ensemble avec une pratique guidée où on fait ressortir des éléments qu'on vient d'enseigner. Alors, la pratique guidée, on la fait en trois temps. Dans un premier temps, c'est avant de lire le texte. Et avant de lire le texte, oh oui, parce que j'ai sauté la diapo où on parlait des stratégies, mais on va y revenir après. Parce que après la fluidité, le dernier pilier, le cinquième pilier, c'est les stratégies de lecture. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus, d'une part parce qu'il y en a d'autres qui m'ont parlé, et puis aussi parce que je voulais faire ressortir le fait qu'on a beaucoup de travail à faire avec nos élèves à l'éducation des adultes, préalable à ces stratégies, dans le sens de plus simple, plus facile, et des fois on hésite, on dit oui, c'est tout secondaire, tout ça, mais ils ne savent pas lire, ils ne comprennent pas bien les textes. Donc, mais ici j'ai nommé simplement les 6 stratégies qui ont été identifiées par le National Reading Panel, parce qu'ils ont fait mais je ne crois pas qu'ils ont fait des méta-analyses avec ces stratégies-là, mais ils ont quand même identifié qu'elles pouvaient être valables. Mais vous voyez que c'est des choses plus importantes, et puis c'est des stratégies comme ça doivent être utilisées dans des textes qui posent un défi où on a besoin d'une stratégie, hein, parce que les stratégies doivent être utilisées quand on en a besoin et non pas enseignées comme on enseignait les règles de grammaire autrefois. Mais surtout, ce qui est important avec les stratégies, le premier point, c'est que les élèves, pour comprendre un texte, doivent lire avec une intention. On a beaucoup parlé d'intention de lecture quand en français, on parle beaucoup de ça. Mais ce qui m'apparaît important, c'est que cette intention-là doit être offerte par l'enseignant. Alors, est-ce qu'on peut aller deux plus loin pour revenir avant la lecture? Donc, c'est avant la lecture qu'on fournit l'intention. Alors, le texte comme Abracadabra que vous avez,
qui est très simple. Ben, c'est quoi l'intention? C'est juste de lire. Bon, on ne va pas inventer des intentions artificielles. Sauf que en portant l'attention avant même que les élèves, avant qu'on leur demande de lire le texte, sur le titre et le sujet du texte, par exemple, ben, c'est quoi le titre? Abracadabra, un vêtement, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? De quoi ça va parler? Là, on éveille leur idée du texte. Et ça, c'est un point important en sciences cognitives. On dit que si on est éveillé, si on est vraiment dedans, on va mieux comprendre ce qu'on fait. Par contre, en mathématiques, ça va bien. On a une intention. On va lire ce texte-là pour résoudre le problème. Alors, finalement, ça va bien. Les problèmes de mathématiques, on a toujours l'intention. Il s'agit de la mentionner. OK, vous ne lisez pas ça pour produire des phrases et tout ça, mais parce que vous avez un problème à résoudre. Et la suite de ça devrait être parce qu'on a appris des choses en mathématiques qu'on va mettre en pratique. Et avant la lecture aussi, c'est là que qu'on peut faire une leçon de vocabulaire. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure avec le vocabulaire, que ce soit le vocabulaire courant ou le vocabulaire de spécialisé, c'est en se préparant, en préparant la lecture, qu'on fait la leçon de vocabulaire. Ensuite, bon, pendant la lecture, là, on va passer vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Il y a les questions que l'enseignant pose dans la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ou reprendre des mots de vocabulaire ou des éléments. Ça peut être de résumer un passage, un paragraphe ou tout ça. L'enseignant pose des questions. Mais aussi, et là, c'est une stratégie qu'on peut induire, c'est que les élèves posent leurs propres questions. Et ça, c'est une démarche qui... il faut habituer les élèves à poser des questions. Parce qu'il y a encore beaucoup d'élèves qui pensent que s'ils posent des questions, c'est juste qu'ils montrent qu'ils ne le savent pas. Alors, si on instaure une dynamique, puis ça aussi, c'est la erreur de dire on est en recherche ensemble du sens et c'est pas vrai qu'on comprend un texte du premier coup. Oh, OK, une minute. On va sauter deux. Après la lecture, là, on peut utiliser les organisateurs graphiques pour faire une espèce de plan du texte qu'on vient de lire, faire un résumé, etc. Mais vous connaissez ces choses-là. Donc, le faire en pratique guidée, pas à pas. Puis, on montre aussi, c'est ça, j'ai pas eu le temps de le dire, montrer comment je fais pour trouver le sens de quelque chose, comment je fais pour... utiliser la ponctuation, on peut le démontrer. Et ça, c'est dans l'enseignement explicite qu'on voit ça. Donc, pratique guidée, je pense que c'est fini. Oh, j'ai mis le texte. Et voilà, donc on est à la fin. Est-ce qu'on a du temps pour poser quelques questions? OK. Alors, pour les gens qui sont en visioconférence, si vous désirez poser vos questions par clavardage, il me fera plaisir de relayer la question. Donc, comme vous avez constaté, nous avons une déconnexion générale, mais nous sommes de retour. Donc, le système refait une tentative de connexion automatisée. Alors, si vous avez des questions pour Mme Boisvert, je vous en prie, vous pouvez les poser par clavardage. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Les gens dans la salle également, si vous désirez poser des questions, je vous invite fortement à aller au micro, s'il vous plaît. Ici, j'ai une question de Mme Joanne Tremblay. Quand vous parlez d'organisateur graphique, c'est quoi? Quand vous parlez d'organisateur ou peut-être d'organisateur graphique, d'organisateur graphique, c'est quoi un organisateur graphique? C'est comme un schéma qu'on peut faire qui représente le contenu du texte. C'est ça. C'est comme l'élève construit un espèce de plan visuel avec, mettons, les idées principales, les exemples, les liens qui ont été. Donc, si je comprends bien, c'est un schéma graphique. Voilà, exactement. Parfait. Une question ici de M. Alain Dumais.
Pouvez-vous nous rappeler les auteurs des six stratégies de la compréhension de texte? Donc, les auteurs des six stratégies de la compréhension de texte. Oh, non, je peux pas. Je peux vous dire que ça fait partie. Je les ai pris dans le rapport du National Reading Panel dans la partie sur la compréhension. Donc, l'auteur de ce rapport, c'est le National Reading Panel. On a un résumé de ça. Le résumé devait être déposé, mais il sera déposé sur notre site web. Il y a un onglet « Enseigner la lecture » et ça se retrouvera dans l'onglet de notre page web www.creacfp.qc.ca. Alors, il y a un résumé en français du National Reading Panel que j'ai développé. C'est la traduction. Voilà. Maintenant, une question de Mme Roberta Gilbert. Est-ce que « monitorer » est utilisé dans le sens de « gérer » Donc, est-ce que « monitorer » est utilisé dans le sens de « gérer » On peut dire que oui, en fait. « Monitorer », c'est « pister ». C'est-à-dire que si je monitore, si je fais la, comment je pourrais dire, la monitorisation de quelque chose, est-ce que je gère en quelque part? Ou c'est plus que je collecte des informations? Je gère, je pense qu'on peut dire que c'est je gère, parce que on va dire monitorer sa propre compréhension, ça veut dire que je me rends compte que j'ai une difficulté de compréhension et je la résous en quelque sorte, ou je me trouve une manière pour la résoudre. Donc, est-ce que ça répond à votre question, Mme Gilbert? Vous pouvez répondre par clavardage, par un oui ou par un non. Ah, ici, j'ai une question de Mme Joanne Santerre. Les élèves peuvent-ils s'améliorer pour la peine dans leur court passage avec nous quand ils ont passé 11 ou 12 ans au régulier sans s'être améliorés? Donc, les élèves, en fait, peuvent-ils s'améliorer dans le court passage qu'ils sont avec nous s'ils n'ont pas réussi à le faire à l'intérieur des 11 ou 12 ans au régulier? Moi, je dis oui, avoir de l'espoir. Et je pense que peut-être que pendant leurs 11 ou 12 années au régulier, on ne leur a pas enseigné de cette façon-là. C'est assez récent, les connaissances qui nous amènent à faire ça. Donc, je dis, si on met ça en pratique, on a des chances que ça s'améliore. Et d'ailleurs, on n'a pas juste des chances, on a des preuves. Ah, il y a des gens qui l'ont fait. Et oui, parce qu'on le fait différemment et non pas parce qu'on le fait plus longtemps. Donc, il y aurait des preuves d'amélioration lors du passage. Les gens qui ont mis en place des ateliers sur la lecture ont vu des progrès, même les gens en FP, donc, qui vont avoir l'atelier cet après-midi, je crois, demain matin, il y a eu des progrès notables. Hein, puis, c'est pas exactement tout ce que j'ai dit, mais ça fait partie du même groupe d'idées. Donc, oui, il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Ils peuvent s'améliorer si on enseigne la lecture. Parce qu'on enseigne peu la lecture, que ce soit chez les enfants ou que ce soit chez les adultes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour les personnes en visioconférence? Donc, vous pouvez répondre par oui ou par non. Alors, nous allons fermer la salle de visioconférence. Je tiens à mentionner que même si nous avons une déconnexion, l'atelier a été enregistré en format vidéo. Donc, je pense que par après, le vidéo sera disponible sur le site Internet de la CREACFP. Sous l'onglet « Enseigner la lecture ». Donc, il sera accessible sur le site de la CREACFP sous l'onglet « Enseigner la lecture ». Alors, je vous remercie de votre participation. Et nous allons également ajuster dans la mesure du possible le son pour que la qualité soit un petit peu meilleure le demain. Mais sinon, je vous remercie pour votre participation et je mets fin à l'atelier actuellement. Merci.